Bonjour à tous pour la petite vidéo. Aujourd'hui, je vous présente comment j'ai fait mes pantoufles. Premièrement, je monte mes mailles avec la laine jetable, un avant en arrière en partant du premier picot noir. Je vais faire 5 rangs avec la laine jaune qui est en fait ma laine jetable. Qu'est-ce qui est de la laine jetable? C'est la laine qui va nous servir à fermer notre tube à la fin. On met le guide-fil, on referme et on tourne pour faire 4 autres rangs. Pour atteindre un maximum ou un minimum de 5. Voilà, on arrive, on met notre laine jetable au centre du cercle, on met notre laine blanche dans le picot noir et on tourne pour 10 rangs. Une fois nos 10 rangs faits, on va faire un changement de couleur. On va ajouter 3 rangs de laine rouge. 3 rangs de laine rouge. Ne vous inquiétez pas, les rangs vont être écrits tout le long de la vidéo, puis à un moment donné, j'ai tous les numéros ensemble pour faire le chausson, la pantoufle. Donc, on va faire 3 rangs rouges. Une fois les 3 rangs rouges faits, on va aller faire 3 rangs verts. Voilà, comme ça, on met à côté et on attache. Très important d'attacher avec 2 beaux nœuds très serrés. On tourne la manivelle pour un autre 3 rangs. 3 rangs. Une fois les 3 rangs atteints, on va aller arrêter la machine. On ouvre le guide-fil. On revient avec notre laine blanche. On place devant le picot et on attache. 2 nœuds. Et on tourne la manivelle pendant 10 rangs. 10 rangs. Maintenant, on va aller ajouter 3 rangs de laine rouge. Voilà, on attache tous les deux. Et on tourne pendant 3 rangs. Ça donne un petit motif comme ça. Voilà. On va s'arrêter à 3 rangs. Ici. Comme ça. On attache les deux bouts de laine ensemble. Voilà. Et on tourne la manivelle. Une fois nos 3 rangs atteints. Oups. Là, c'est parce que j'ai manqué de laine. J'avais oublié. Voilà. Je fais un petit nœud. Et je continue à tourner la manivelle. Pour terminer mon troisième rang. Voilà, j'arrive de nouveau avec la laine blanche. Et vous avez deviné, je fais 10 rangs de laine blanche. Voilà. Une fois les 10 rangs de laine blanche complétés, on va aller avec la laine jetable. On ouvre le guide-fil, place la laine au centre. Et on va tourner la laine jetable pendant 5 rangs. Après, on coupe la laine. Et comme il n'y aura plus de laine qui va sortir du guide-fil, eh bien, la machine va relâcher les mailles, comme ça. Voilà. Et là, maintenant, on va étirer. Et on fait exactement la même chose pour la seconde pantoufle ou chausson. Là, on va faire nos petits nœuds à l'intérieur, bien fermés. Voilà. Et après, on va couper environ 2 à 3 cm de long. On ne va pas sortir le truc pour mesurer. Là. On va y aller à l'œil. Comme ça, j'ai déjà fermé un bout, une extrémité. Là, je vais faire le second. Bon, on va y aller couper ces petits bouts de laine là ici aussi. Bon. Là, vous voyez la laine contrastante, le jaune sur le blanc. Ça aurait été mieux de prendre une couleur plus foncée, mais bon. Moi, je le voyais bien, mais je me rends compte qu'avec la vidéo, ça ne donne pas aussi bien. Donc là, je vais aller ramasser avec un crochet 4.5 ou 5 les mailles de chaque côté. J'en prends une de côté et la seconde. Si vous avez de la difficulté, dans la description de cette vidéo, j'ai... L'option 3, si vous n'êtes pas encore à l'aise avec un crochet, vous pouvez le faire avec une aiguille à laine, le fermer.
C'est pas l'idéal, mais au moins ça vous permet de faire des projets en attendant que vous soyez plus habile avec un crochet. Parce que le crochet, vous l'avez besoin souvent avec la machine. À moins que si vous faites juste des bonnets, pas besoin de crochet, là. Mais sinon, ça serait bon d'apprendre avec le temps. Donc, je vais passer un petit peu en accéléré. Voilà. Comme ça. Et voilà. Très important de tout récupérer les mailles pour pas se retrouver avec des mailles tombées. Je vais ralentir. Vous avez vu, j'ai ramassé les mailles du côté opposé de mon bout de laine que j'avais terminé avec. Comme ça, ils vont me servir à fermer mon rang. Voilà, comme ça, une anneau ici. Là. Et ça prendra mon crochet à tricotant manuel. Voilà. Et je prends un petit bout de laine et je ferme mon rang. Voilà. Donc là, on va retirer la laine de table. Ce côté-là, c'est toujours facile. C'est la partie où on fait retirer de la machine. L'autre partie, par contre, toujours un petit peu plus complexe parce que c'est la partie où on monte les mailles. Je vais vous montrer. Là, la laine s'est divisée, faire exprès, mais c'est pas grave. Ça arrive à tout le monde, même à moi, vous voyez. Voilà. On va tout retirer ça. Fini. Là, on regarde ce qu'on n'a pas de laine. Pas de laine, mais des mailles tombées. Bon, ce côté-ci, j'avais fermé en premier. Vous ne l'avez pas vu à la caméra, mais c'est pas grave. Là, je vais faire le petit nœud. Il y a un petit nœud. Et là, on va décoller tout le premier rang. Puis une fois le premier rang complètement décollé, on va être capable de retirer les autres rangs. Si vous allez assez trop vite, là, ça fait des nœuds. C'est vraiment important de décoller le premier rang en premier. Voilà. Comme ça. Un petit peu encore là, et après ça, on est capable de tirer dessus. Et bientôt, vous allez voir tout le nombre de rangs que vous avez besoin. Je vais les répéter dans pas long. J'essaie toujours de placer tous les rangs, nombre de rangs, dans les premières 10 minutes des vidéos, mais des fois, c'est pas facile, dépendamment de la vidéo. Donc, on retire tout ça. Là. Puis on fait la même chose pour ça. Bon, en parenthèse, c'est la laine jetable. Donc 5 jetables, 10 plus 3 plus 3, 10 plus 3 plus 3, 10. 5 jetables. Écrivez ça dans votre petit cahier de notes. Très important. Pour les chaussons, les pantoufles, canne de Noël. C'est la même couleur. Sauf qu'à l'écran, ça fait noir et rouge, mais c'était vert. Bizarre des fois les caméras. Donc je cache mes petits bouts de laine. Même chose pour mes deux carrés. Pas vraiment des carrés, plus des rectangles. Bon, ils sont prêts. Maintenant, on va aller faire l'assemblage. Voilà. On se casse pas la tête, on va juste faire une couture bien simple. Vraiment, c'est maille. Désolée. Vraiment, c'est maille comme ça en descendant. Une après l'autre. Comme ça. Et on continue. Et
Puis à la fin, comme ça, on va étirer de chaque côté pour bien serrer nos mailles. Et là, je vais faire un petit nœud, passe dans la loupe et cacher ça entre les deux épaisseurs. Coupe l'excédent. Et on fait la même chose cache entre les deux épaisseurs. On est rendu à la moitié et plus de la vidéo. J'espère que vous avez pensé à me placer un petit pouce vers le haut. Ça aide la chaîne à être plus vue et ça montre à YouTube que vous aimez la vidéo. Pas juste à moi. Là, on va faire la partie des orteils. On avait fait de la partie talon. Maintenant, on va aller faire la partie orteil. La même chose, on ne se croise pas la tête. On remet juste une maille d'un côté, une maille de l'autre. Rien de compliqué, mais on reste toujours sur la même colonne. Pour éviter d'avoir un travail tout croche. Voilà. On arrive terminé. Comme ça. Là, on va étirer comme tout à l'heure pour serrer notre maille. On va aller fermer ça comme il faut ici. Comme ça. Comme ça. Et après ça, on passe dans le blanc. Voilà. Alors maintenant, on va ramasser à toutes les deux. Alors, on va faire un nœud avant. Après, on va ramasser à toutes les deux mailles. Parce que ça va fermer la partie des orteils. Puis, on va faire la même chose sur l'autre pantoufle par la suite. C'est exactement le même travail fait deux fois. Les petites pantoufles, franchement, ça se fait vraiment assez vite. Ça fait des beaux cadeaux de dernière minute. Surtout des petits cadeaux de Noël. Ça garde les petits pieds chauds. Et si vous n'êtes pas à l'aise avec la partie crochet, vous pouvez prendre une laine plus épaisse pour faire le petit cordon pour attacher. Ça marche pareil. Si vous êtes à l'aise avec le crochet, j'ai fait des mailles, des chaînes de 100. Deux chaînes de 100 pour faire les petits cordons. De là, voilà. Et on étire pour fermer notre tube. Voilà. Et on faufile autour pour pouvoir fermer le petit trou qui s'est produit là. Dedans, on ferme le nœud et maintenant on va aller faire un autre nœud pour sécuriser. On va aller cacher ça entre les deux épaisseurs comme ça. Voilà, la petite première est faite. On le tourne de l'autre côté, voilà, comme ça. Joli. Ça donne ça avec le pied de plastique. Maintenant, on va mettre le petit cordon que j'ai fait avec un crochet 4.5 ou 5, je ne m'en rappelle plus. Donc, on va faufiler à toutes les deux rangs. Essaye de rester sur la même colonne. Et après ça, ça va faire notre petit cordon pour attacher notre petite pantoufle.
truc pour le pied. Ah, je ne les ai pas bien mis. Je vais redescendre encore mon petit cordon. Il est trop haut. Voilà. Je vais l'emmener directement dans le rouge. Ça va être plus joli à l'œil. Comme ça. Donc maintenant, je vais faire ma petite boucle. Comme ça. Je vais couper l'excédent. À l'aide de mon aiguille Allen, je vais aller... Ah, pas mon aiguille, mais mon... Ouais, mon aiguille. Je vais décoller la petite torsade. Et je vais brosser avec ma petite brosse à dents que j'ai pour faire mes travaux en laine. J'ai toujours une petite brosse à dents. Voilà, comme ça, on brise la torsade. Et on brosse. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo la semaine prochaine. Et on lâche pas, si ça devient trop compliqué, on prend une pause et on revient plus tard. Ciao, ciao, à bientôt, je vous aime bien gros, puis merci pour votre support au cours des 4 dernières années.